Y a-t-il un soldat de Jésus-Christ? Y a-t-il un révolutionnaire? Y a-t-il quelqu'un qui se lève pour la guerre, pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan? Le diable a trop joué avec toi. Le sorcier a trop joué avec toi. Ils ne peuvent pas prendre le monopole de ta vie. Ils ont détruit. Aujourd'hui, tu vas t'élever et nous allons prier pour le bombardement de sorciers jusque dans leur retranchement. Le bombardement. Bien-aimé dans le Seigneur, cette prière nécessite que tu puisses avoir une sainte colère. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Ce n'est pas le moment de dire qu'est-ce que je fais à l'humanité. Ce n'est pas le moment de se poser des questions. Pourquoi toutes ces attaques? Mais c'est le moment de se lever, de combattre avec une sainte colère, de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. La vie chrétienne, c'est une vie qui se gagne dans la prière. Les bénédictions, les victoires se gagnent dans la prière. Tu ne peux pas baisser les bras. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons bombarder le sorcier. Pour cette prière, tu as besoin de l'huile d'onction. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je sanctifie cette huile. Je déclare que cette huile devient un instrument puissant dans le combat spirituel. Tu vas oindre tes deux mains et la plante de tes pieds. Et tu vas commencer à prier maintenant. Tout geste que tu feras par tes mains, bien-aimé dans le Seigneur, va libérer le missile, les rafales, les armes, le bombardement, les puissance des ténèbres. Les sorciers vont être brisés et détruits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Exode le chapitre 17, le verset 15. L'Éternel, ma bannière, ce que veut dire, bien-aimé, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je dis bombardement des sorciers jusque dans leur camp de retranchement, ça veut dire, bien-aimé, poursuivre les sorciers, le bombarder par le feu et toutes les armes que Dieu met en notre position. Bien-aimé, toutes les armes que Dieu met en notre possession jusque dans leur camp de retranchement. Bien-aimé, la guerre est lancée. Et dans cette guerre, ce n'est pas toi qui vas vivre la défaite, mais les sorciers qui t'ont combattu, ils seront frappés, flagellés, détruits, brisés au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable.
le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix. Répète après moi cette prière du Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant toi. Arme-moi de ta puissance. Arme-moi de ton onction. Je viens, Seigneur, me revêtir des armes spirituelles. Je viens me revêtir de toutes les armes de Dieu. Dans le combat, je viens me couvrir du sang de Jésus-Christ. Je déclare que le sang de Jésus parle et crie sur ma vie. Tout geste que je veux faire pendant ce temps de prière aura de l'impact dans les camps de sorciers qui m'ont combattu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève ta main droite, et commence à libérer maintenant le bombardement. Libère le feu de Dieu et déclare avec moi: je libère le feu de Dieu. Je libère le feu de Dieu pour bombarder maintenant le camp de retranchement des sorciers, pour bombarder tout sorcier qui a attaqué ma vie, qui attaque ma vie. Je libère le feu de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que le feu de Dieu puisse bombarder, que le feu de Dieu puisse bombarder toute sorcellerie qui a été faite dans ma vie, qui a été faite dans ma voiture, qui a été faite dans ma maison, qui a été faite dans mon bureau, qui a été faite dans ma chambre, qui a été faite dans mon lit, qui a été faite dans ma garde-robe, dans ma toilette, dans ma parcelle, dans ma maison, dans mon terrain. Toute sorcellerie qui a été fabriquée contre ma vie, j'envoie maintenant le feu de Dieu, le feu de la destruction, le feu de la destruction pour détruire, démanteler éternel Dieu, là où on a placé des pièges sataniques dans ma voiture, j'envoie le feu de Dieu, là où on a placé des pièges sataniques dans ma maison, j'envoie le feu de Dieu, là où on a placé des pièges sataniques dans ma maison, j'envoie le feu de Dieu dans ma chambre, dans toutes les pièces, sur mon terrain, dans ma maison familiale, j'envoie le feu de Dieu dans mon bureau. Père éternel, je lève ma main droite et je libère le feu de Dieu. Je libère le feu de Dieu pour bombarder maintenant, les camps des sorciers, les camps des retranchements, pour le bombarder. La Bible dit: je poursuis mes ennemis avec Dieu. Je poursuis mes ennemis. Père éternel Dieu, je me lance vers une troupe en armes pour le terrasser. Pour le terrasser, au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant pour briser la sorcellerie de ma famille. La sorcellerie de ma famille, je brise éternel toute personne qui est une porte d'entrée de la magie, de la sorcellerie de ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'envoie le feu de Dieu sur toute personne qui ouvre une porte maléfique quelconque dans ma vie pour m'engloutir, pour me maintenir. Seigneur Dieu, j'envoie le feu de Dieu. Que leur camp soit bombardé. Toute sorcellerie qui était fabriquée, tout démon qui a été mis dans ma voiture, qui a été mis dans ma maison, dans mon bureau, sur mon terrain, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, je bombarde maintenant, les démons placés, le piège physique, le piège spirituel, les démons visibles ou invisibles, des sorciers visibles ou invisibles, des esprits visibles ou invisibles, au nom puissant
puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toute personne qui élève sa main, pour me combattre, qu'il soit frappé maintenant. Seigneur Dieu, je prends, Seigneur notre Dieu, le feu de Dieu et je jette sur cette personne. Au nom de Jésus, je le bombarde par le feu, qu'il soit consumé de la tête jusqu'aux pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, toutes choses qui est dans mon corps, bien-aimé, pendant que tu es en train de faire cette prière, tu vas prendre l'huile d'onction, l'huile que je bénis, tu vas oindre tout ton corps. Je dis bien, tu vas oindre tout ton corps. Pendant que tu es en train de oindre tout ton corps, tu déclares maintenant que toutes choses qui étaient placées par des sorciers sur mon corps, toute maladie de la sorcellerie qui était placée sur mon corps, maintenant, je déclare par la puissance de Dieu, de lâcher complètement ma vie, que mon corps, le corps de mes enfants, le corps de mon mari, ma maison, ma parcelle, mon terrain, mon bureau, ma voiture, devient le faya. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de gaspillage, tout esprit de perte d'argent, qui est envoyé par des sorciers, je le frappe par le feu. Faya ya. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bombarde le camp de sorciers de ma famille. Je le bombarde jusqu'à leur retranchement. Je bombarde le camp des sorciers de voisins jusqu'à leur retranchement. Toute personne qui était en contact avec moi, qui est dans la sorcellerie, qui a essayé de m'attaquer, qu'il soit frappé maintenant. Je déclare un retour à l'expéditeur avec effet immédiat. Maintenant, de tout piège, de tout combat, de tout démon, de tout esprit qui m'a été envoyé par une personne sorcière qui est dans mon entourage, je retourne cela. Je le retourne maintenant à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Sorcellerie de ma famille, sorcellerie étrangère, sorcellerie de mon entourage, vous ne me vaincrez jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous ne me vaincrez jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, là où on a placé des antennes sorcelleriques dans ma chambre, là où on a placé des antennes sorcelleriques dans ma maison, dans mon bureau, dans ma voiture, sur mon terrain, je le brise au nom de Jésus. Je bombarde cela. Par le tonnerre de feu de Dieu. Par les éclairs, je libère. Bien-aimé dans le Seigneur, lève maintenant tes deux mains pendant que tu es en train de prier. Bien-aimé, commence à libérer maintenant les éclairs et le tonnerre dans les camps des sorciers. Que tout sorcier soit frappé maintenant. Par les éclairs, par les tonnerres de Dieu, par le feu de Dieu. Lève tes deux mains, dis Seigneur Dieu, par le mouvement de mes mains, Seigneur, je libère le tonnerre de Dieu. Que le tonnerre de Dieu commence à le frapper maintenant. Là où il se trouve, qu'il soit frappé maintenant. Je retourne à l'expéditeur. Toute arme qui a été envoyée, tout piège de l'ennemi qui a été envoyé contre ma vie, je le retourne à l'expéditeur. Tout sorcier qui m'a attaqué dans mon entourage, qu'il soit frappé par le tonnerre de Dieu, qu'il soit frappé par les éclairs, le tonnerre et les éclairs, qu'il soit frappé par le feu, au nom de Jésus-Christ, toute sorcellerie dans mon entourage soit frappée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute œil de jalousie qui est contre moi, toute
esprit de jalousie, de la sorcellerie, soit frappé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, soit frappé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle le feu, le bombardement maintenant, depuis le sous-sol, dans les camps, dans l'eau, sur l'eau, que le feu descend maintenant, le bombardement total des esprits des eaux, le bombardement total des sorciers de ma famille, je déclare le bombardement total des sorciers dans mon entourage, dans mon quartier, dans mon travail, dans mon bureau, dans ma voiture, dans ma parcelle, sur mon terrain, le bombardement total, que tous leurs cerveaux soient bombardés. Partout ils ont placé des radars, partout ils ont placé des antennes, partout ils ont placé des esprits informateurs, partout ils ont placé les esprits dévastateurs. Je ne brise maintenant, tout esprit gaspillaire qui vient voler mon argent, qui vient voler mes finances, qui crée des problèmes, qui crée des pannes, qui crée des maladies, qui crée des complications pour me voler mon argent. Je le frappe maintenant, par le feu de Dieu, je bombarde, maintenant la sorcellerie de ma famille. Je bombarde maintenant le camp des sorciers, là où ils se sont concentrés. Toute alliance sorcellerique qui combat ma vie, je le bombarde, Bien-aimé, libère le feu. Maintenant, libère le feu. Commence à libérer le bombardement, le tonnerre et les éclairs. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute personne qui cherche ma tête dans la sorcellerie, qu'il soit bombardé par le feu, le tonnerre et les éclairs, qu'il soit bombardé par le feu, le tonnerre et les éclairs de Dieu. Élève ta voix, que les sorciers soient bombardés par le feu, le tonnerre et les éclairs de Dieu. Le sorcier de ton entourage, bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à libérer le feu dans ton entourage. Libère le feu maintenant dans ton entourage. Tout sorcier qui est dans ton entourage, il doit être frappé. Bien-aimé, tu as des travailleurs qui sont des sorciers que tu ne connais pas. Tu as des amis qui sont des sorciers que tu ne connais pas. Tu as des collègues de travail qui sont des sorciers que tu ne connais pas. Tu as des clients qui sont des sorciers que tu ne connais pas. Libère maintenant le feu maintenant. Commence à bombarder. Libère le bombardement. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, lâche maintenant ma vie. Commence à bombarder. Bien-aimé dans le Seigneur. Commence à faire des gestes prophétiques. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare avec moi. Pendant que tu es en train de déclarer, tu fais trois pas en avant. Alors que tu as fait trois pas en avant, lève ta main droite et déclare avec moi, partout où on m'a placé, dans toutes les prisons sorcelleriques, aujourd'hui je sors de là. Je prends mes avoirs, je prends ma richesse, je prends ma destinée, je prends mon étoile et je sors de là. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise, éternel Dieu, je brise tout esprit de blocage, tout esprit de sécheresse. Je libère le feu de Dieu, le bombardement. Que ces esprits soient bombardés par le feu, par les éclairs et les tonnerres de Dieu. Bombarde maintenant leur camp. Commence à bombarder. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire cette prière. Tu vas continuer à le faire. Même si la prière s'arrête, même si la vidéo s'arrête, continue à bombarder. Cette prière, bien-aimé, est à faire à minuit. Bombarde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Répète avec moi, bien-aimé. Oh Dieu, lève-toi et combat pour moi pendant le jour
et pendant la nuit, dans la vallée et sur la montagne, tout pouvoir assigné à disperser mes ressources, sèche-toi et sois brisé en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir assigné à supprimer mon élévation, sois brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout comité satanique, réunion démoniaque constitué contre moi, je le brise et je le disperse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que toute attaque qui s'oppose à mon progrès et qui attaque mon progrès soit frappé maintenant au nom de Jésus-Christ. Percée et promotion retardée, manifestez-vous par le feu maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise tout démon, tout sorcier qui s'oppose à ma percée et à ma promotion au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je désarme tous les problèmes vagabonds au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise tout pouvoir des démons pour me décourager dans le combat et dans la prière au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi et frappe mes ennemis cette année, à la fin de cette année, au début de l'année, au milieu de l'année, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mes ennemis ne se réjouiront pas à mon sujet à cause de mon malheur. Ils verront la main de Dieu dans ma vie et ils déclareront que l'Éternel est avec moi. Chagrin et larmes, je vous déracine de ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir assigné à faire sombrer le bateau de mon destin, je le brise et je le détruis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon Dieu, délivre-moi des erreurs coûteuses de mon destin. Oh Dieu, lève-toi et confonds mes ennemis. Oh Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu de l'apôtre Joël Kamba, le Dieu de Ésaïe chapitre 45 verset 2, lève-toi et annule toutes mes afflictions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, lève-toi par le tonnerre de ta puissance et change mon histoire. Que les camps des sorciers soient frappés, éradiqués, bombardés, et que je confesse ta victoire dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas prendre ce temps de prière pendant 3 jours, pendant 7 jours. Tu fais cette prière entre minuit et 1h du matin. Bien-aimé, tu peux le faire pendant 7, 3 ou 21 jours avec colère spirituelle. Et le Seigneur va bombarder le camp de tes ennemis et tu regarderas en face. Il n'y aura plus rien, car Dieu t'a donné la grande victoire. Que Dieu te bénisse, soldat de Jésus-Christ. C'était ton compagnon de lutte, l'apôtre Joël Kamba. Shalom chez vous.